Bah oui, c'est pire que ça. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler en fait, parce que c'est pas possible. Non, je vais pas en parler. Voilà. Non, peut-être que je peux vous apporter une solution, madame. En parler, vous savez, si on a un souci, il faut en parler. Il faut en parler, madame. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Je peux vous aider peut-être. Peut-être bien. Hein? Peut-être bien, je peux. Je pense peut-être pas. Que je pourrais vous aider. Je pense pas que vous pourriez m'aider en fait. Le gars, il vous trompe? Il a deux femmes? Je vous dis, c'est pire. C'est vraiment pire. Oui, c'est pire. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Dites-moi, il se passe quoi? Vous êtes marié? C'est ça? Je le suis, mais c'est comme si je ne le suis pas. Alors, comme si vous êtes marié, mais comme si vous n'étiez pas marié. Mais il se passe quoi dans votre vie? Dites-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de moi. Moi, je suis quelqu'un qui peut apporter des solutions. Mais et là, vite. N'ayez pas peur de moi, s'il vous plaît. N'ayez on pas se peur. Connaît à peine et tu veux savoir mon Alors, problème. Mais c'est quoi ça? D'accord, je suis d'accord avec vous. On se connaît à peine. Mais considérez-moi comme votre meilleur ami ou je sais pas quelqu'un qui peut vous apporter une solution. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez être soulagé. Je ne sais pas. Mais dites-moi. Comme si vous me connaissez depuis des années. Mais dites-moi, n'ayez pas peur de moi. On se calme. D'accord. Je me calme. Alors, qu'est-ce que vous avez? D'abord, dis-moi comment tu t'appelles. Ah, excusez-moi. C'est vrai que je ne me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Combo. En fait, Combo, c'est mon nom et prénom, quoi. C'est mon nom et prénom, oui. Mon nom, c'est très court. Je m'appelle juste Ko, monsieur Ko. Après, les gens m'appellent Combo, c'est mon nom et prénom. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler Combo, il n'y a pas de souci. D'accord. Et vous, comment vous appelez? Bah, je m'appelle Keisha. Keisha? Joli nom! C'est original, Keisha. Mais c'est comme Combo, tu vois? C'est Combo. Keisha, c'est un joli nom. Ouh, le nom est ouf. C'est original, non. Ça, Keisha. Donc, Dame voilà. Keisha. Oui, dites-moi, maintenant, il se passe je quoi? Je sais qui tu es. Je connais ton nom déjà. Donc, je pourrais vous dire un petit truc, mais je ne vais pas vous raconter. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie, mais dites-moi, c'est juste. Ben dites-moi quoi, c'est quoi le problème ou l'origine, je ne sais pas, peut-être que je peux vous apporter une solution. Dites-moi c'est quoi. Allez, s'il vous plaît. Alors, moi je suis mariée. Mm-hmm. Je suis mariée, mais je vous ai dit que c'est comme si je ne suis pas mariée en fait. Parce que mon mari n'est jamais à la maison. Il n'est jamais à la maison? Mais il est polygame? C'est sûr qu'il est polygame parce que s'il n'est jamais à la maison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Comment ça, il est jamais à la maison? Il est jamais à la maison? Il passe jamais? Il dort jamais? Dites-moi. Je vous dis, pendant une semaine, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Pendant une semaine, il peut ne pas passer à la maison? Peut-être qu'il passera. Merci. Merci, madame. Peut-être qu'il passe. Une fois, pendant une semaine, là, il passe une fois et il ne dort même pas des fois. Parfois, il passe sans dormir. Voilà. C'est un fou. C'est un fou. Non. C'est un fou. Mais c'est un fou. Moi, à sa place, une belle femme comme vous, là, moi, j'allais la suivre, mais là où elle met son pied, je mets mon pied. Je ne laisse jamais une belle femme comme... Non, mais c'est un fou. Le mec, c'est un fou. Peut-être. C'est un fou. C'est pas possible. Moi, avoir une belle femme comme ça, laisser la femme chez elle pendant une semaine, parfois, il dort même. Non, dites-moi que je suis en train de rêver là. Non, c'est pas... Moi, depuis ma naissance, j'ai cherché toujours à avoir une belle femme comme vous. C'était mon rêve. Mais, c'est un fou. Le mec, c'est un fou. Et toi? Bon. Voilà. Dis-moi un peu... Alors moi, voilà, je m'appelle Combo. Moi aussi, je suis marié. Mais j'ai à peu près la même situation. Ah bon? Ma femme ne veut pas entendre parler de moi. À l'heure actuelle, elle ne veut pas entendre parler de moi. J'étais allé même chez ma mère. Ma mère ne veut même plus entendre parler de moi. Je suis devenu un SDF. Comment ça? Sans domicile fixe. Sans domicile fixe.
parfois, je dors là, demain là-bas, après demain là-bas. Un SDF. À peu près la même histoire. Mais pourtant, okay. je ne me mets pas dans une situation pareille. J'essaie de me calmer, je sais que la vie c'est ainsi, et voilà. Il faut agir comme moi. Il n'y a pas de souci. Mais après, bon. Oui, on peut dire que c'est vraiment coïncidence.